au niveau des ondes de la scène constante aujourd'hui, une fondation pour les CRG, une façon de nous remplir et de remonter de notre créatif. 63 communes sont touchées, quelques 700 personnes ont été évacuées. Ce sont maintenant les Valenciennes qui ont constaté un marché de gestes de solidarité en faveur des personnes sinistrées. Devant la salle des fêtes, les Valenciennes s'arrêtent. Les sinistrés croient ce qu'ils disent au sec, veulent apporter leur vie. L'appel à la solidarité lancé par la mairie a été entendu par les historiens. Les vêtements sont tous de découverture, de changer de toilettes, de pantalons, de l'alimentation. Parfois même, on vient proposer tout autre chose. Je l'apporte avec le même depuis ce matin, les habitants ont donné des centaines de kilos d'aliments et de vêtements. La Croix-Rouge et les employés de psychiatrie y font des partages que les sinistrés viennent chercher. Le minimum vital est consenti. Difficile pour ceux qui n'ont plus rien de se retrouver. Fatigués psychologiquement, les sinistrés font face à une situation qui a bouleversé la vie de leur ami. La salle des fêtes risque de servir encore plus